TSM, Sandra, Wimana. We got Charlie from Edmonton, RSM. And we got, I think it's Bob, huh? Yes, Bob. Bob, and where are you from? In Carlisle, Ohio. Ohio. And we got Michigan. Patrick, Vancouver. Vancouver, okay, BC. Awesome. Yes. All right. So how do you feel about the experience at the ranch and everything that, you know, these first 2 days have provided? Is that with me? Yeah. I already talked earlier, but look at where we are, guys, you know? We are just enjoying the good life, you know? This is just to show you guys that it's possible, you know? Like, just do what you have to do, just build your team, and then have a belief, and then... keep doing what you are doing, and then try to be connected with those kind of events. Come to the ranch, go to all the leadership program, and then here we go. Just enjoy life. Exactly, just like that, huh? Jacuzzi, hot tub. We're enjoying more of what we're gonna have. Exactly. Oh, yeah. If you guys don't have Rules Ranch on your vision board, put it on there because you gotta be here. Directrice exécutive dans le jacuzzi et tout bien chauffé et tout dans Orange de Rule Mountain. Donc dis-nous un peu comment tu te sens là dans le jacuzzi là. Donc on va montrer à tout le monde l'eau bouillante et tout, c'est très très bien. Il y a même de la vapeur et tout. Alors rapidement, vision. C'est une vision sublime. Écoutez les amis, en fait c'est que regardez là où je suis maintenant. Regardez la belle vie qu'on est tout simplement en train de vivre maintenant. On est tout simplement en train de projeter une vie comme ça dans le futur. Et comme je disais tout à l'heure, la meilleure façon de tout simplement de pouvoir créer vos équipes, c'est de pouvoir tout simplement participer à des événements de la sœur, venir au ranch, tout simplement partager la vision avec tous ces gens que vous voyez, qui sont tous à la recherche, je veux dire, d'une meilleure vie, d'un outil de financement qui va leur permettre d'arriver à leurs objectifs personnels. Voilà. C'est fabuleux, oui ça marche, regardez là où je suis, regardez tous nos amis. En tout cas je vous encourage tous, je veux dire, à participer à des événements de la sorte et faire le maximum pour rester connectés et puis continuer d'avoir la vision et continuer à bâtir vos équipes sans relâche. Fantastique. Et puis un petit mot sur quelque chose d'assez particulier tout à l'heure. La prière avec Rule Mountain, c'était quand même assez inattendu. Un petit mot là-dessus, tes impressions. Ouais. En tout cas, on est sortis de là tellement en paix avec nous-mêmes. Encore une fois, ça nous démontre en fait la grandeur de cette compagnie. Je veux dire à quel point, ils se donnent à fond pour nous, de faire le maximum pour qu'on puisse tout simplement prier pour que notre organisation fonctionne. Mm-hmm. C'était tellement touchant. Il y a eu beaucoup d'émotions, parce que c'est ça en fait, c'est de montrer en fait la grandeur de cette compagnie qui est tout simplement là pour nous supporter mentalement, spirituellement, financièrement. Écoutez, il n'y a pas d'autre compagnie de fortune, quoi, sérieusement. Réveillez-vous les gars, venez voir ce qui se passe ici au ranch. Faites le maximum pour que ça puisse tout simplement être dit partout, pour tous les gens qu'on connaît. Qui viennent se connecter au ranch, vous allez voir, vous allez sortir de là complètement transformé. C'est moi. Au revoir les amis, on vous aime très fort, on pense beaucoup à vous, mais la prochaine fois, faites tout simplement partie de notre équipe au ranch. Ok. Wouhou. Quelle est votre vision? Quand vous vous réveillez le matin, à quoi pensez-vous? Comment, à quoi ressemble votre vie? Où voulez-vous que votre vie soit? Quand vous vous regardez dans le miroir, est-ce que vous voyez la personne que vous étiez censé être, mais vous voyez quelqu'un d'autre? Donc, si vous vous posez ces questions-là, si votre vie n'est pas où elle devrait être et que vous vous demandez comment changer ça, j'ai deux experts ici en face de moi. Donc, Jean-Claude Carenzi, directeur régional avec FHCM, donc quelqu'un qui a pris un tournant différent dans sa vie et qui peut justement répondre à ces questions sur la vision. Et à ses côtés, donc Sandra Wimana, directrice exécutive aussi avec donc FHTM. Et puis, donc voilà, deux personnes qui ont pris un tournant différent dans leur vie et qui sont capables aujourd'hui de nous parler de la vision. Alors, nous sommes ici à l'aéroport de Dallas, Texas, dans un cadre, très très agréable, bonne vie, vie de très haute qualité, vie meilleure, etc. On est
dans ce café, Café River, etc. Juste bonne vie, bonne ambiance, on se sent bien, il fait beau dehors, et puis voilà. Mais tout le monde rêve à des vies meilleures, mais les gens sont encore cloîtrés de là où ils sont. C'est quoi, selon vous, le secret de changer son existence, changer sa réalité et commencer à comme vous, vous êtes des entrepreneurs, vous voyagez et c'est quasiment comme si on pourrait dire que vous êtes payé pour partir en voyage, parce que c'est des voyages payés, vous faites de l'argent en voyageant, vous déclarez, les taxes lorsque vous commandez la nourriture, on déclare ça, vous récupérez les taxes, vous allez dans toutes sortes de voyages comme celui-ci, où c'est des voyages qui vous rapportent plus d'argent même que ceux qui voyagent sans avoir ce que vous faites. Alors dites-nous un peu, c'est quoi le secret? Mon premier conseil, sérieusement, avant tout, c'est de pouvoir affronter sa peur. Ça, c'est vraiment quelque chose qui va... Vous devez vraiment affronter votre peur, la peur de l'inconnu, la peur de ne pas savoir à 100% si ça va réussir ou pas. Écoutez, aujourd'hui, en fait, c'est le 21e siècle. Il faut se réveiller. Je me suis réveillée moi-même. Il faut sortir de votre confort de misère. Il faut tout simplement se connecter avec des gens comme Rolmotson, avec des gens comme Popo, avec des gens comme Kalenzi. Vous devez prendre contrôle de votre futur. Et comme on le dit, on le répète à chaque fois, c'est que il n'y a personne d'autre qui pourra prendre le contrôle de votre futur. Vous êtes les seuls. Et pour pouvoir le faire, en fait, tout simplement, faire quelque chose de différent. Aller dans des séminaires, aller dans les séminaires comme on vient juste d'y aller, on a passé les 3 derniers jours. Faire un effort, essayer de continuer, je veux dire, avoir votre propre vision, parce que fin des fins, en fait, c'est vrai que pour pouvoir rester pleinement et le plus longtemps possible dans ce genre d'organisation, c'est vraiment, je veux dire, impératif de savoir pourquoi est-ce que vous rentrez dedans, de pouvoir continuer à vous accrocher, d'avoir vraiment votre vision personnelle. Mais en fait, c'est de vous donner votre propre chance, parce que fin des fins, qu'est-ce qui se passe, c'est que la seule garantie qu'on a dans cette vie, c'est que la mort, ok? C'est vrai que bon, il n'y a pas de garantie dans tout ce qu'on fait dans la vie de tous les jours, mais je vous le dis, et croyez-moi sincèrement du fond du cœur, ça vaut la peine. Ça vaut la peine de vivre une vie, une vraie vie, de pouvoir, que vous puissiez tout simplement saisir votre vie, de la vivre pleinement. Parce qu'on n'a qu'une seule vie, on n'a qu'une seule vie. Et on n'est pas là, tout ça, on n'est pas là pour. C'est pour faire plaisir aux gens, pour vivre la vie de quelqu'un d'autre. Vous devez vivre votre vie à vous. Et c'est ça que moi, j'ai compris. J'ai compris que j'ai dû changer pas mal de choses dans ma vie. Regardez aujourd'hui tout ce qui est en train de m'arriver. Et c'est pas seulement grâce à moi, c'est grâce à tous les gens qui sont autour de moi. C'est grâce à. En tout cas, c'est par rapport à ce que moi-même, en fait, j'ai finalement choisi de faire des choses différentes, et c'est pour ça que j'ai des résultats différents. Donc, la meilleure chose, c'est rester connecté à nous, faites le maximum pour investir votre temps, d'avoir une certaine discipline, de pouvoir participer à des voyages comme les nôtres. C'est des voyages qui sont très, très inspirants. C'est tout simplement pour vous ressourcer avec les meilleures personnes de l'industrie, des gens qui sont passés, des gens ordinaires comme nous, qui sont passés parmi les mêmes difficultés que nous, et finalement qui ont réussi et qui sont tout simplement là en train de nous apporter leur expertise, leur expérience. Et c'est fabuleux. Vraiment, ça vaut la peine. Ok, ben merci beaucoup, Sandra. Donc, on va vous laisser déguster votre... gros steak signé Texas et tout. Voilà, on vous laisse apprécier votre bon repas. Appétit. Bon appétit. Merci de partager avec nous ces impressions-là, je veux dire vos commentaires, parce qu'en fait, on a besoin de pouvoir montrer que c'est possible de vivre une bonne vie, c'est possible d'apprécier sa vie et on devrait vivre la vie au large. Mot de la fin, vivons notre vie au large. Fermons nos oreilles à tous ceux qui ne sont pas là pour nous encourager. Et puis tout simplement, vivre sa propre vie. Et puis, on n'est pas là pour faire plaisir à des gens
qui ne contrôleront jamais notre vie de toutes les façons. Donc voilà, en tout cas, on se reparle un peu plus tard au cours de la journée, mais merci et puis bon appétit. Bye bye. Bye.